Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous connecter sur TikTok avec un code QR. Alors, pour pouvoir se connecter sur TikTok avec son code QR, cela est simple. D'abord, c'est une option qui est disponible sur ordinateur. Donc, vous allez tout simplement vous rendre sur votre ordinateur, ensuite vous connecter sur votre Chrome. Donc, nous allons nous rendre sur Chrome comme ceci, ensuite taper dans la barre de recherche TikTok.com. Nous allons donc lancer. Donc, nous allons donc lancer, nous allons ensuite être redirigés sur la page de TikTok. Si arrivé ici, nous allons cliquer sur connexion. Ce que nous avons à faire ici, c'est de cliquer sur utiliser un QR code. Donc, quand nous allons donc cliquer sur un QR code, nous allons donc voir apparaître un code QR qui va donc apparaître sur l'écran comme ceci. Et tout ce que nous aurons à faire maintenant, c'est de nous rendre sur notre téléphone pour pouvoir donc nous connecter avec ce code QR. Donc, nous allons nous rendre sur notre téléphone. Ici sur le téléphone, sur notre profil TikTok, tout ce que nous aurons à faire, c'est de nous rendre sur le profil TikTok du compte sur lequel nous voulons nous connecter comme ceci. Ensuite, ici sur le profil, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite. Nous allons ensuite cliquer sur My QR Code. Donc, quand nous allons cliquer sur My QR Code, nous allons donc voir le QR code de notre compte TikTok comme ceci. Tout ce que nous aurons à faire maintenant, c'est de cliquer sur le scanner tout en haut à droite. Donc, quand nous allons cliquer sur le scanner tout en haut à droite, nous allons maintenant donc pouvoir scanner l'écran de notre. Voilà, nous allons donc. Voilà, nous allons donc scanner notre écran comme cela. Et quand nous allons donc scanner, nous allons donc voir que nous allons pouvoir nous connecter sur notre écran d'ordinateur directement. Nous allons ensuite confirmer à ce niveau. Après avoir confirmé, nous allons donc voir maintenant que la connexion est réussie. Maintenant que la connexion est réussie, nous allons donc pouvoir nous connecter sur notre compte TikTok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.